Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de Hip. Ça faisait si longtemps, ça faisait depuis Halloween qu'on n'avait pas tourné, et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas replongé dans cette histoire, mélange horreur, culture avec amusé, et viol d'enfant, par des statues, ah c'est parti. Et la dernière fois, on s'était arrêté à cet endroit-là, qui était une sorte de salle de repos avec Gary. Ah, tu peux te rendormir si tu veux, ok? Cette pièce a l'air d'être sûre. Je veillerai sur toi tant que nous serons ici. Je veillerai avec un Z, bien entendu. On y croit tous. Eh bien, écoute, je me suis assez reposé. Ça fait depuis Halloween que je me suis reposé. Donc, écoute, je pense que tu seras un petit peu plus effrayé. Comme s'il allait tomber dans le coma. Allez. C'est parti. Ah oui. Un vase rempli d'eau. Oh oui, placez le vase. Oh, trop bien. Le vase ne contient plus d'eau. Oh, tristesse. Allez, c'est parti. Ib, es-tu prête à y retourner? Je suis prête. Ok, allons-y. Oh, attends un instant. Désolé pour l'attente, on peut y aller maintenant. Oui. Cette chose que je n'aime pas. Oh. Vous savez très bien que quand il y a une porte, il faut être obligé de l'ouvrir, même si ça toque. Et là, on est sur Ib. Eh ben, écoutez, c'est verrouillé. Il y a une serrure sur la porte. Regardez à l'intérieur. Tu ne vois rien. Ça fait plaisir. Enfin non, ça fait pas plaisir du coup. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je le sens vrai. La sortie s'est bloquée. Oh, merde. Ça s'appelle être complètement trop curieux. Journal. Il est dit que des objets de valeur sentimentale peuvent être possédés par des esprits. Je suis toujours certain de cela, mais si, c'est la vérité. Cela doit être la même chose pour les peintures, les sculptures et autres œuvres. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais me plonger dans mes travaux. Comme ça, une part de mon esprit se déversera dans mes créations. Et seulement tout ce qu'il dit. Il aurait plutôt dû nous dire comment sortir d'ici. Allons, partons d'ici, Ib. Partons d'ici, mais comment? Bouton vert. Il y a un bouton vert. Ta mère. Comment je fais pour partir maintenant? Par là. Aïe. Oui. Ah, merde. Par là, aïe. Ta mère, je suis bloqué. Ah non, je suis bloqué. Ah, je suis bloqué! Le game over à 3 minutes. C'est vraiment génial d'être bloqué dans un labyrinthe. Oui, Yugi, continue. Continue, fight. Pouf. Allez, on revient. Oui, je suis prête. Allez, ok, allons-y. Attends un instant. On y prend ta veste, on y va. Désolé pour l'attente. Go. Cette fois, on ne se fera pas avoir par cette porte qui ne mène à rien. Et on ne se fera pas avoir par ça non plus. Vous ne mourrez pas, espèce de statue. Voilà. Ils ne mourront pas. Casse-tête. Ib, as-tu déjà joué au casse-tête? Un petit peu, mais je ne connais pas vraiment. Eh bien, tu es forte. Je dois t'avouer que je ne suis pas très doué à ce jeu. Je l'essayais une fois il y a longtemps, mais je n'y arrivais pas avec la ressemblance des pièces. Donc, dans un effort un peu brusque, j'ai forcé les pièces à se mettre ensemble. Bien sûr, ça poserait un problème si quelqu'un voudrait y rejouer juste après. Ah. Ça veut sûrement dire quelque chose. Pensée fugitive sous un clair de lune. Tableau qui bouge. C'est limite normal ici. Un miroir avec un... Oh. Non. C'est toujours nous deux. Erk, ces statues. Elles bloquent le chemin. Feu. Ok, ça devrait être bon. J'aime pas vraiment ça. Une corde est accrochée au plafond.
dans le miroir. La porte est déverrouillée. Ah, super. Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. Quel est le titre de la grande peinture murale de l'exposition de Gertena? Encore un mot de passe. La peinture du gros poisson. Est-ce que tu t'en rappelles, Ib? Mais qu'est-ce que c'était déjà, un poisson, un océan? Quelque chose avec les profondeurs. Il manque juste un mot. Ib, peux-tu t'en rappeler? Profondeur de quoi? Profondeur des abysses. Profondeur des photos. Profondeur des abysses, sûrement. Vu que c'est l'océan. Profondeur des abysses. Ah! Oui, c'était ça, Ib. Profondeur des abysses. As-tu su lire le titre? Ok, ne l'oublions pas. Profondeur des abysses. Profondeur des abysses. Je ne me ferai pas prendre par ça. Vous ne m'aurez plus. Votre technique ne marchera pas deux fois sur la même petite fille. On va re-sauvegarder. Tant qu'on peut sauvegarder. Ah, ce miroir me dit rien qui vaille. Je fais que le regarder, mais je suis complètement parano. C'est verrouillé. C'est quoi cette histoire avec ce panneau? Devons-nous y mettre quelque chose? Ah, c'est ça, ça doit être le mot de passe. Bon, essayons. La profondeur des abysses. Il y a eu un bruit. Yeah! Paillet du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Séparation. Quelle peinture repoussante. Quoi? La lumière! C'est trop sombre pour y voir. Ib, es-tu là? Je ne suis pas là, mais... On va le faire peur un petit peu. Ib, es-tu là? Oh non, dis-moi que tu es là. Non, tu es là. Tu aurais pu me dire quelque chose, tu m'as inquiété. Mais, ce problème... Ah, c'est vrai. J'avais oublié que j'avais mon briquet. Salut. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh merde, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas vraiment à quoi je m'entendais. C'est pas bon pour ma santé mentale. Ouais, c'est pas bon pour toi de rentrer dans moi aussi. Ça, j'ai l'intention de Monsieur Gary. Nous rappelons que à tous les visiteurs qu'il est strictement interdit d'utiliser des briquets, allumettes ou tout autre dispositif inflammable en raison du système anti-incendie du bâtiment. Il est signalé toute malveillance à l'accueil. Putain, c'est franchement bien écrit. Cette corde est accrochée au plafond. Toujours, encore et toujours, c'est... Play. Oh. Ok. Ah. Attendez. sauvegardons. Bien entendu. Toujours. La sauvegarde, c'est la vie. Qu'est-ce que... Ah. Wow. Est-ce que tu vas bien? Attends. Es-tu... Serais-tu aussi une visiteuse de la galerie? Ah! Comme je le pensais. Je suis Gary, et cette jeune fille, c'est Ib. Nous étions dans une galerie d'art, mais nous nous sommes retrouvés tous les deux dans cet endroit. Et maintenant, nous essayons de trouver un chemin vers la sortie. Je présume que tu essaies toi aussi. J'étais en train de chercher s'il y avait d'autres personnes aussi. Je voulais sortir d'ici, alors je... Je savais. Eh bien, voudrais-tu nous accompagner? Hein? C'est dangereux de rester seul ici. Il y a tellement de créatures étranges dans les environs ici. Alors veux-tu venir avec nous? Le mieux est de rester groupé. Ouais, je viens. Alors c'est décidé. Oh. Quel est ton nom? Marie. Marie alors, ravie de te rencontrer. Ouais, trop bien. Ravie de te rencontrer, Ib. Enchantée de te rencontrer. Merci. Génial. Maintenant que nous sommes un peu plus, nous pouvons réfléchir ensemble. Ouais. Ouais, rentrez tous dans moi. C'est la meilleure chose à faire. La force de la dispute. Oh. Ib, il y a un vase dans l'autre sens, on le croisera plus tard. Ok. Vase. Oui. Le vase ne contient plus d'eau. Oh. Dis, je viens d'y penser, mais moi et Ib, avons chacun une rose. Marie, est-ce que tu en as une aussi? Ouais, bien sûr, une rose jaune. Ah, c'est vrai. Prends-en grand soin. N'ose surtout pas la perdre. Ne la donne à personne et...
Waouh, une rose rouge, ma rose est jaune. J'adore le jaune, mais aussi le rose. Oh, et le bleu. Apprends à écouter, veux-tu? Elle a l'air d'être encore plus petite que nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est tout? D'accord. Ah ouais. Une sauvegarde. Yeah! Avec Marie. Les fleurs de la jalousie. Droite ou gauche? Faut faire confiance à la sauvegarde. C'est verrouillé. Faut faire confiance à l'autre porte de la sauvegarde. J'aurais pas dû faire confiance à l'autre porte de la sauvegarde. L'œil rouge. Pour l'amour de... Cette peinture, cette pièce, pourquoi sont-elles si troublantes? Ah, vraiment? Mais ces choses sont trop mignonnes! Qu'est-ce qui est mignon ici? J'ai pensé cela, pas toi, Ib? Ouais, c'est vrai, c'est assez mignon. Enfin, ça l'est pour l'instant, je pense. Je savais, n'est-ce pas? C'est tellement adorable! Je n'aime pas trop ça. Regardons vite fait cette salle et filons. Je me sens un peu nauséeux rien qu'en regardant cette salle. C'est assez troublant d'en parler. J'aime pas du tout ça. Un lapin en porcelaine. Les fleurs de la jalousie. Je le sens vraiment pas. Il y a sûrement écrit des trucs ici. Non, rien. Cœur abandonné. Si votre esprit souffre un peu trop, vous serez bientôt pris d'hallucinations. Et en fin de compte, vous serez détruit. Et plus inquiétant encore, c'est que vous n'êtes même pas conscient de ce qui vous arrive. C'était le seul verre. Ah. Il y a sûrement autre chose, non? Qu'est-ce que ça pourrait être? Toujours rien? La porte est toujours pas ouverte? Non. L'œil rouge. On va donner si tout l'esprit sera détruit. Enfin, je sais que tu ne seras pas capable de savoir ce qui va t'arriver. Le lapin en porcelaine s'est cassé. Quelque chose brille parmi les morceaux. Tu as obtenu la clé violette. Oui! Ça ne me dit absolument rien qui vaille, mais oui! Et on va dire que c'est cool. Un son provient de la peinture. Qu'est-ce que... Ah! Ce bruit! Regardez! Quelque chose arrive au sol! C'est mauvais, éloignez-vous du tableau! Ib, attention! Oh merde. Vous allez bien toutes les deux? Ah, c'était effrayant! Ib, es-tu blessé? Non, non, t'inquiète pas. Heureusement. Mais avec ça, ces choses sur le chemin, je ne peux pas vous rejoindre. Peut-être qu'en les coupant. Attends, qu'est-ce que c'est? Ces ronces sont en pierre! Que faire? Hé, Ib, tu as trouvé une clé dans la salle, n'est-ce pas? Peut-être qu'avec cette clé, on peut ouvrir cette porte. Nous trouverons quelque chose pour venir à bout de ces ronces de pierre dans une autre salle. Devrions-nous y jeter un œil? Eh bien, je pense que ça pourrait aller. Ne t'inquiète pas, hein, Ib? Oui, tout va bien se passer. Tu vois, Ib pense que tout ira bien. Mais c'est assez... Eh bien, je crois qu'on n'a plus qu'à essayer. Mais si vous ne trouvez rien, revenez ici immédiatement. Compris? Nous repenserons à ce que nous pourrons faire. Ouais, compris. Ok, allons-y. Désolé, Gary. Non, on va devoir continuer sans toi. Oh putain, non, pas encore ces trucs. Putain de mannequin. Il écrit quoi dessus? Je sens que je vais être bloqué, mais il veut voir ce qu'il y a écrit. Il y a un croquis étrange sur cette toile. C'est tout. C'est tout. Vérifions la chambre d'abord. C'est rempli de divers outils pour peindre. Dans une salle de quelqu'un qui est en communication visuelle, j'en suis sûr. Un mannequin décapité. Ou chez un étudiant chez les Beaux-Arts. Mannequin décapité, toujours et encore. C'est rempli de divers outils pour peindre. Y aurait-il quelque chose d'utile ici? Ah! Il y a un couteau de peinture au fond de la boîte.
Ça pourrait couper les ronces. Essayons. Ah, je plaisantais, tu n'es pas vraiment bonne avec les blagues, n'est-ce pas, Ib? Mais je pense qu'on devrait quand même l'emporter. Tu sais, juste au cas où. Ouais. Vérifions la chambre d'abord. Mais on vient de la vérifier! C'est rempli de multiples brochures. Ah, il n'y a vraiment pas de choses utiles ici. Devrions-nous retourner voir Gary? Ouah! Hein? Putain, j'en étais sûr. Ça m'a effrayé. Pourquoi tu m'écoutes, le mec? Allons-y retourner Gary. Allons-y retrouver Gary maintenant. Ah, la sortie. Quand a-t-elle bougé? N'était-elle pas collée au mur? Bougeons-la. C'est vraiment pas une bonne idée. Prête, Oris. Ça ne veut pas bouger. Que devrions-nous faire, Ib? Nous ne pouvons pas sortir. Il y a une porte. Nous ne devrions pas aller par là, mais il n'y a pas d'autre chemin. Enfin, tu m'écoutes? Waouh. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est son nez. Quelque chose s'est éclaboussé à cet endroit. C'était son nez. Oh putain, ça m'a fait peur. Je me demande ce que fait Gary. On l'a un peu laissé derrière nous, non? Complètement. Elles en mettent du temps. J'espère que rien ne leur est arrivé. Ib, Marie, pouvez-vous m'entendre? Ah, c'est pas bon. Ah, je savais que je n'aurais pas dû les laisser partir seuls. Qu'est-ce que je dois faire? Je suppose que je devrais encore enquêter dans cette pièce, comme si j'avais le choix. Ah, on joue Gary. Génial. On joue le personnage qui se rapproche le plus de moi. Qu'est-ce que c'est? L'œil rouge. Peu importe la façon dont je regarde ce truc, je ne trouve pas cela mignon. Ça ressemble vachement plus rien à des lapins. Même si c'est... Ah, ça s'est déplacé. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué plus tôt? Oh bref, je peux au moins partir par là. Je pars de cette salle. Oh, une sauvegarde. Oh oui. Oh bonheur. Oh joie. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de possibilité. Continuer encore l'épisode avant de s'arrêter. On s'arrêtera à la prochaine sauvegarde. Fleur rouge. Oh. Bon, la prochaine sauvegarde est là, mais 2 minutes. qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh, on va devoir jouer entre les... C'est verrouillé. C'est bien ce que je pensais. Une corde est accrochée au mur. Ok. Je ne tire plus ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est tout. Ah oui. Oh, c'est vrai. D'accord. Je remarque des choses. Je me suis sûr que je vais me faire attaquer par là-bas, mais je veux quand même essayer. C'était juste un screamer, c'était ça. C'est verrouillé. En plus, il y avait une flèche ici, en fait. Ah non, c'est sûr. Non, c'était juste pour nous indiquer qu'il y avait des choses à tirer ici. Tu veux pas... Ib, regarde, maintenant nous pouvons traverser. Pouvons-nous traverser? Il n'a pas l'air de vouloir. Je pense que c'est bon. C'est drôle. Pardon. Quelque chose bouge à l'intérieur. Ib, n'ouvre pas cette boîte. Si. Non, il veut pas. Non. Non, rien du tout. Je
crois que je l'ai fait tomber de l'autre étage, c'est ça? C'est ça. Oh, du coup, c'était pas une indication, en fait. C'était un socle. Oh, la porte est ouverte. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je vous donne la réponse dans le prochain épisode de Ib, qu'on va tourner à la suite, parce que comme ça, vous n'aurez pas beaucoup de temps à attendre. Parce que je vous ai laissé alors que, comment dire, il y a eu des mois et des mois qui sont écoulés entre l'épisode que je suis en train de tourner là et l'épisode qu'on a tourné à Halloween, forcément, il s'est écoulé environ 4, 7 mois. C'est beaucoup trop. Et je vous promets de... 5 mois. Je ne sais pas compter. Et je vous promets de ne pas vous laisser sans Ib en 5 mois. Bien entendu, je le fais pour chaque let's play, mais vous voyez que ça se rattrape. Voilà, voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Venez, likez, tout ça. Vous décidez, je ne suis pas à votre place, mais voilà. Faites ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les vidéos. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.